Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour le mois de mars. Vous savez que notre émission est mensuelle. Et quand vous la revoyez sur Zouk TV, c'est parce qu'elle repasse. Voilà. Donc, j'ai vu que vous avez beaucoup réagi à l'émission précédente et que j'avais intitulée Relations raciales. En fait, il s'agissait d'expliquer les composantes ethniques, voilà, groupales qui vivent, cohabitent à la Martinique, pour expliquer pourquoi il y avait des groupes fondateurs dont on ne parlait pas, dont l'un d'entre eux dont on ne parlait pas, et que c'est ce qui avait motivé donc la présentation que je vous ai faite. Et puis j'avais invité donc deux personnes qui sont des spécialistes de leur domaine, qui vous en parlait donc des traits culturels ou aussi sur le plan juridique de la façon dont nos personnalités sont formées ou déformées ou déshumanisées. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu à travailler sur le sujet parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, comme je vous l'ai dit, et puis des choses aussi qui nous ont un peu surprises. Donc il faut qu'on comprenne quand nos téléspectateurs ou certains d'entre eux regardent ce que nous disons. Peut-être qu'il manque une case dans la façon que nous avons de présenter les choses, mais c'est pas une guerre qu'on fait aux gens. On ne vient pas ici pour dire que, voilà, on va décerner des titres de martiniquanité à ceci et pas à cela. Ce n'est pas dans ça qu'on est. Ce dans quoi on est, et je le répète pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est qu'il y a une composante dominante dans cette population qui n'a jamais été reconnue comme telle. Aucune étude sur elle, aucune recherche, aucun dispositif qui fasse qu'on prête attention à cette composante qui est dominante et dont je vous ai dit qu'elle est un groupe fondateur de cette société. Donc, ce qu'on fait là, c'est en fait de combler ce vide. Mais on ne vient pas dire aux gens, voilà, d'aller chercher des aïeux ou des voisins ou je ne sais qui, dans quel pays, dans quelle culture, dans quelle race, pour venir dire que la Martinique n'est pas aux Africains. Parce que dans certaines réactions, on comprend bien que c'est ça qui gêne, puisqu'on a pris l'habitude d'étouffer, de tuer dans l'œuf, justement, tous les apports et toute la réalité de cette composante qui crève les yeux, qui crève les yeux dans la Caraïbe. Mais ici, à la Martinique, il y a un problème à dire qu'on a une composante très dominante qui est d'origine africaine. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question de venir dire qu'on vous enlève ou qu'on vous supprime, mais on va continuer à en parler et chacun va vous dire un petit peu. Voilà, je voulais vous dire ça en introduction. Donc, on n'est pas dans des guerres. Il ne faut pas laisser détourner l'objectif que nous poursuivons ici, qui est d'informer notre population sur sa réalité sociologique, anthropologique et démographique. C'est de cela dont nous vous parlons. Donc, n'allez pas, ceux qui ont mal, qui comprennent mal ce que nous faisons, n'allez pas établir ou faire encore mettre dans l'esprit des gens des confusions encore plus grandes et plus graves que celles qui existent déjà. Nous essayons de clarifier la situation, donc c'est cela qui est important. Donc, aujourd'hui, je reçois pour vous docteur Valentin Milka. Bonsoir. Oui, bonjour Juliette. Bonjour aux auditeurs de Zouk TV. Voilà. Merci de me recevoir ici, Zouk TV. Et pour puis on parler va de cette donc identité, effectivement. Voilà, on va continuer à parler du conte, de ses caractéristiques culturelles, puisque vous avez été attaqué par quelqu'un parce que vous avez utilisé le terme Djeli pour parler du conteur qui est un peu le griot. Et bon, voilà. Donc ça enfin, aussi, on il faut en qu'on, parlera, qu'on voilà. arrive à en parler. Alors, je reçois. Il n'était pas là la dernière fois, mais Didier Michalon. Bonsoir Didier. Bonsoir Juliette, bonjour tout le monde et bonsoir à toute la Martinique, toute la diaspora et tous les auditeurs de Zouk TV de part le monde. Voilà, et puis donc Didier, vous allez nous parler un peu de ce que vous faites, de votre créativité, de votre réflexion aussi sur ce qui est le fond culturel de notre pays, de notre société, si on veut, et qui est, en tout cas, de ce pays-là, dont on ne parle pas beaucoup, ou bien
dont on exploite les richesses, et etc., sans vouloir en parler. Donc Didier va nous parler de ça, parce que c'est une petite mais très, très active, qui crée sans arrêt et qui met en avant les produits locaux, notre créativité, cette partie de son peuple qui est un petit peu mise dans l'ombre. Et puis nous attendons Maître Monotuka, que vous avez eu la dernière fois, mais c'est très souvent compliqué parce que c'est un avocat et il est souvent dans les salles d'audience. Voilà pourquoi il n'est pas encore là, mais nous l'aurons. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de débattre de beaucoup de choses. Et si on n'en a pas le temps, ben, on en fera une troisième série, une troisième émission, parce qu'il est important de clarifier ces problématiques-là. Donc, on est aujourd'hui, donc je ne vous cache rien, nous enregistrons l'émission. Donc, vous la verrez 2 jours plus tard, mais aujourd'hui, c'est le 8 mars, et j'avais envie qu'on mette un peu l'accent sur la nécessité que les femmes combattent aussi la colonialité dans ce système patriarcaliste, la colonialité qui marque aussi les femmes des pays dominés, plus violemment, plus directement, de manière plus impactante que, par exemple, les catégories de femmes dans lesquelles nous sommes, imbriqués, enfin je ne sais pas si c'est le mot, mais qui sont dans des sociétés développées, qui vivent des conditions bien plus favorables. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas un peu noyer le poisson de faire travailler des femmes de tous les continents, quand dans les luttes au quotidien, toutes les femmes de tous les continents ne s'associent pas. Les femmes, souvent des pays sous-développés ou défavorisés, dominés, doivent se débrouiller seules. Alors, je pense qu'il est intéressant de mettre l'accent sur la colonialité, la patriarcalité, la colonialité du pouvoir qui touche les femmes dominées autrement. Autrement, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, effectivement, on parle souvent beaucoup de la femme comme si effectivement le problème des femmes était un problème général sur tous les continents. Voilà, mais c'est vrai que dans nos continents dans ce continent américain qui est un continent colonisé, on a quand même des problématiques qui sont beaucoup plus exacerbées, puisque nous sommes des sociétés donc qui sont nées dans la prédation et qui sont nées de la prédation non seulement des hommes, mais aussi des femmes, beaucoup plus des femmes, puisqu'il faut pas oublier que ce sont les femmes qui transmettent non seulement par le cas de la procréation, mais aussi culturellement, et ce qui veut donc dire que même quand la femme est dans une situation de prédation, elle transmet elle-même la prédation, puisque on le voit souvent, il s'agit de survie, et on le voit souvent, enfin quand dans un petit proverbe, ou encore je sais même pas si on peut appeler ça un proverbe, qu'on disait autrefois, manque à la dico moins Marie Poulet tout, et ce sont des choses que les femmes disaient aussi et disent encore. Ce qui veut donc dire que nous avons intégré cette colonialité, c'est-à-dire ce goût, comme disait Maître Monotuka, ce goût, ces goûts et ces mœurs du colon, parce qu'il faut pas oublier que justement nous sommes dans une société qui est impactée à 100%, dirons-nous, de cette mentalité coloniale, de cette façon de gérer le monde, de cette vision du monde, qui est une vision coloniale, prédatrice. Et bien entendu, avec le patriarcat, qui est justement le modus vivendi de cette société, des sociétés occidentales. Voilà. Et qui ont impacté aussi, nous, en tant qu'Africains, qui avons une autre vision du monde, qui est une vision d'ailleurs qui était plus marquée par le matriarcat, et qui mettait justement, donnait à la femme une place tout à fait spécial dans la vie des sociétés africaines. Ce qui veut donc dire que ce que nous subissons en Martinique, et nous le voyons à tous les niveaux, dans toutes les couches sociales, comment on est impacté par cette colonialité, on voit bien que nous sommes en dehors de notre contexte
si on peut dire, de notre contexte, de notre vision du monde, de notre vision et de notre appréhension de la femme dans qui a complètement changé par rapport à la présence coloniale dans laquelle et la société coloniale dans laquelle nous vivons. Et ce qui est intéressant, c'est important peut-être d'attirer l'attention sur le fait que le fait d'universaliser la lutte des femmes, on sait qu'on est dans une société où l'élite intellectuelle a toujours accordé beaucoup d'importance à cette idée qu'on est dans l'universel et qu'on est tous pareils, etc. Et c'est une création, une invention de la France d'ailleurs, puisque un sociologue comme Pierre Bourdieu a beaucoup dénoncé cette façon d'amalgamer des problématiques, des couches sociales différentes, des races différentes, etc. Et je mets race entre guillemets si ça vous soulage. Mais vous voyez, c'est très important de comprendre que voilà, le 8 mars peut être la journée internationale des luttes des femmes, d'accord, mais il y a des femmes qui sont dans des catégories sociales, sociologiques très privilégiées et qui d'ailleurs se mêlent très peu de ça. Et il ne faut pas oublier qu'elles contribuent à l'oppression des femmes plus faibles. Nous avons à la Martinique aussi une catégorie de sociale qui est favorisée, qui est celle qui a les 40%, qui peut se payer des femmes de ménage, ou etc. Et on est dans cette catégorie, dans cette configuration où les femmes ne sont pas moins exploiteuses que les hommes, puisqu'on est dans un système qui est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi de la femme par la femme. Exact. Ou donc de l'homme par la femme par l'homme, tout ce que vous voulez. Mais ça, ce sont des configurations que nous demandons à nos grands féministes de faire intervenir dans leur problématique pour que nous soyons dans une lecture mais vraiment rigoureuse de ce qui se fait sur le plan social et sociétal. C'est pour cela que je critiquais tout à l'heure ceux qui ne comprennent pas le sens, l'objectif que nous poursuivons en venant parler d'Afrique ici. Nous ne sommes pas, comme je vous l'ai dit, dans une volonté d'exploser les autres, de les exclure. Nous sommes dans une volonté de rigueur et de reprise en main véritablement d'une lecture qui reflète la réalité de notre enfant. Moi, j'appelle ça je disais pas société parce que je vous ai dit que voilà, on n'est pas vraiment dans une société qu'on aurait fondée, mais formation sociale. Voilà ce qui, à mon avis, nous traduit ce que nous sommes un petit peu. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, Didier ? Oui, absolument. Alors moi, je vais vous dire, par ironie, mais il n'y a pas plus féministe que moi. Alors je vais expliquer. Je répète souvent à mes proches, à mes chéris, je dis, vous savez, si le monde était mené par des femmes, alors qu'il est, on ne serait pas dans cet état. C'est clair. Oui. Et là, je parle en tant qu'analyste, mais amateur à mon humble place, structurelle, conjoncturelle, c'est une chose, mais structurelle de la société. La vérité, c'est qu'on a été dans une mésestime, entre guillemets, plongeante de nous-mêmes et surtout des femmes. Et à partir du moment où on ne met pas les femmes, je veux dire, à leur juste place, absolument. Tout est compliqué dans la vie dans laquelle on mène. Parce que la réalité, c'est que même moi, en tant que technicien passionné du genre, passionné de notre africanité, de notre indianité, de ce que nous sommes, tout ce que je fais en tant que militant, aussi discrète soit l'action, est sanctionnée par un regard de femme, qu'elle ait 40 ans, qu'elle ait 13 ans ou qu'elle ait 3 ans. C'est comme ça. Parce qu'elles ont un regard, même à 3 ans, vous avez un regard, je le dis, hein, je parle de femmes en général, bien sûr, même une petite fille, une poupette, aussi délicieuse soit-elle à 3 ans, elle a l'analyse, elle a l'analyse qu'il faut. Et je pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit. Oui. Et je suis partisan, comme tous nos combats, entre guillemets, de faire converger tous ceux pour lesquels on est. Et s'arc-bouter contre une vision, c'est pas mon leitmotiv. On a une énergie énorme qui nous est livrée peut-être de Kama. Parce que quand je parle de Kama, je parle de l'Afrique. C'est comme ça que je l'appelle. Et je vois Kama comme une merveilleuse femme, voilà, avec de merveilleux trésors dont nous sommes issus.
Et il est temps de réimprégner tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons avec, avec ce regard, parce que la femme est... J'aime pas le terme poteau mi-temps. Mais si on la met au centre de nos attentions... On l'a remis en cause. Au centre de notre attention, on va revoir, je veux dire, notre intelligence culturelle et imprégner toutes nos activités jusqu'à être économique pour se rendre compte que la vision qu'on nous impose, sur laquelle on converge toutes nos luttes, il est temps de focaliser et de bouger le curseur de nos énergies sur tout ce que l'on désire, mais je vais être plus explicite par la suite. De toute façon, on ne fait pas l'émission, chers amis, sur cette journée du 8 mars, mais comme notre souci est aussi d'introduire un peu de rigueur dans nos analyses, nous attirons l'attention sur le fait que la femme vit dans un modèle et elle le reproduit. Ce que disait tout à l'heure Dr Valentin, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous disons « coq moins des rois, Marie-Paulette moins », on est totalement dans un modèle machiste, sexiste, j'allais presque dire raciste, dans la mesure où quand même c'est un type de réflexion qui détermine des comportements, parce qu'il ne s'agit pas de dire ça, il y a des comportements. Ou bien pas maintenant, ben moins, oui. C'est nos mamans qui racontent ça, c'est raciste. Il y a énormément de... la parole des femmes... Voilà. D'ailleurs, il y a une Guadeloupéenne qui a écrit « Parole des femmes, parole à femmes ». Et c'est très intéressant de voir la violence de la parole des femmes. Donc là, on n'est pas en train de vous dire, là encore, pour qu'il n'y ait pas de misinterprétation, de fausse interprétation. On est en train de vous dire que nous sommes dans une société qui est un système qui est marqué par... qui a une orientation idéologique, politique, et qui est marqué par, véritablement, le profit. C'est ça, son intérêt. Et elle a domestiqué les groupes, les mentalités, les cerveaux des dominés, de manière à ce qu'ils lui emboîte le pas. Donc il faut bien que vous compreniez que nous ne sommes pas innocents, mais nous ne sommes pas, j'allais dire, responsables des crimes comme le sont les criminels. Mais d'une certaine façon, comme ils nous prennent comme complices dans leur façon de penser, de faire et d'être, bien nous devenons leurs complices, donc nous sommes un peu aussi les criminels. Et c'est juste attirer l'attention sur ce fait qui nous importe ici, de dire que les femmes sont bien sûr plus souvent victimes que les hommes. Elles le sont dans le domaine des violences physiques, peut-être pas dans celui des violences psychologiques, parce que justement, les faibles développent des recours dans d'autres domaines, des compétences dans d'autres domaines. Donc, elles ne tapent peut-être pas autant, mais sur le plan des violences physiques, des paroles, des comportements, elles peuvent être d'une violence inouïe. Donc, moi, je suis une femme, ou bien, comme pour d'autres, je ne suis pas là pour cacher idéologiquement les défauts des gens, ni pour dire oui la société martiniquaise est indienne parce que j'ai une maman qui est d'origine. Non, je regarde la réalité et je la traite. C'est ça le rôle d'un scientifique. Et nous, dans ce groupe, ce que nous avons envie de faire, c'est de partager avec vous cet esprit de rigueur. Mais il ne faut pas que ceux qui prennent, qui interprètent de travers nos propos viennent, comme je le disais tout à l'heure, vous induire en erreur, introduire encore plus de confusion dans vos esprits. Donc, restez vigilants, analysez ce que nous vous disons. Et je vous répète, nous étions venus parler d'Afrique assez fréquemment parce qu'on ne parle pas d'Afrique dans cette société et plus de 80% de la population est d'origine africaine. Donc il y a un tchac, comme on dit dans notre langue. Il y a un tchac. Et on ne peut pas, sur le plan, être un scientifique, sociologue et qui travaille beaucoup aussi en anthropologie, en ethnologie, venir accepter cette façon très, très, je trouve, raciste de traiter notre composante notre principale réalité, voilà. Et notre société, notre réalité sociale. Elle se décline scientifiquement pour peu qu'on soit assez honnête pour le faire. Alors, Maître Dominique Monotuca est arrivé. Nous avons commencé sans lui, mais on vous a excusé. Donc, on était en train de dire deux mots sur la journée du 8 mars pour montrer que, voilà, c'était pas, que toutes les classes, les catégories, les races, etc. ne vivent pas la même condition, mais c'est une journée universelle.
Et donc, on a fait un petit point sur l'universalisme pour dire qu'il fallait quand même être vigilant parce que toutes les catégories de femmes, c'est pas parce qu'on est femme qu'on vit les mêmes conditions. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Non, pas spécialement, sauf que, en effet, on a, je dirais quand même rappeler ce qui, à mon avis, est perçu par tous, à savoir que lorsque on parle de la journée de la femme, on parle de la femme. Et lorsqu'on parle de femme, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension corporelle, la dimension spirituelle, la dimension mentale. Et puis, il y a la dimension institutionnelle. Et donc, donc il y a cette dimension biologique, tangible, et puis cette dimension institutionnelle. Et donc, lorsqu'on parle de violence, cette violence peut être, je dirais, décidée arbitrairement par un autre être humain, une femme ou un homme, vis-à-vis de telle femme. Et cette violence peut ne pas être, par conséquent, légitimée par l'institutionnel, mm-hmm. par le droit, par l'ordre. Mm-hmm. Et donc là, à partir de là, on conçoit que eh bien, cet ordre, hein, cette institution, puisse réagir et rétablir en fait, la relation, sanctionner et réparer en fait, mm-hmm. la victime et créer les conditions pour que ça ne se reproduise pas. Mm-hmm. Et puis, nous avons aussi l'autre violence, la violence institutionnelle. Mm-hmm. Et donc là, il s'agit dès lors, en fait, puisqu'on parle de violence institutionnelle, d'interroger c'est quoi la femme, hein? Qu'est-ce que la femme pour le législateur? Quel statut en fait on a donné à cet être tangible, voilà, dans que les institutions infériorisent. Voilà. Ah, donc à partir de là, la chose est plus, je dirais, plus complexe. Ah, oui. Et elle est moins traitée par nous, parce par que les féministes. Oui. Parce que justement, c'est un pouvoir qui prétend être légitime, qui institue en fait mm-hmm. cette violence. Cette violence, c'est ça. Et à partir de là, on peut concevoir en fait assez aisément que mm-hmm. Ce législateur, ceux qui tiennent alors l'institution violente, essaie de donner les moyens pour pérenniser cette violence. Mm-hmm. On n'explore pas pour l'instant les raisons de ce législateur, mais en tous les cas, voilà. Et à partir de là, il faut explorer, je dirais, la traduction concrète de cette violence à travers les administrations de cette institution, conformément à la volonté, en fait, de ce législateur. Je dirais, comment les différentes sous-institutions de cette institution générale, en fait, qu'est la société, comment en fait cette violence se décline à travers en fait par exemple les décisions judiciaires, à travers la relation au travail, à travers la relation à l'intérieur du couple, mm-hmm. à travers la relation entre mère et enfant, mm-hmm. parce qu'il s'agit de ça aussi. Mm-hmm. Il faut savoir que l'institutionnel, et c'est un peu le cas s'agissant du droit qui nous gère en Martinique officiellement, le législateur n'a cessé de donner des droits aux enfants mmh. et qui, en fait, ne cesse de diminuer l'autorité parentale, en fait, de la mère. Déparentalisation. Mmh, ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Donc, il y a tout, en fait, tous ces mécanismes-là qui sont là et qui, en fait... insidieux, mais qui ne sont pas révélés mmh. vraiment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, bien entendu, il faut prendre la dimension éthique de tout cela. Mmh. Il faut condamner en fait l'injustice, mais il faut se donner le moyen en fait pour l'étudier, en saisir les subtilités, les hypocrites, mm-hmm. c'est-à-dire ceux qui prétendent en fait combattre en fait cette violence et qui en réalité en fait sont les activateurs et les préservateurs, d'accord, et pour ne pas dire les prédateurs, voilà. Donc voilà, et donc. Et je terminerai là, on voit bien en fait que c'est le modèle de société qui est interrogé. Exact. Dès lors. C'est le modèle de société. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, oui.
J'en ai terminé pour l'instant. Non, mais c'est... je ne sais pas si Mika, vous voulez dire... Non, ça va. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est une vision systémique qu'il faut avoir de, du problème, enfin, du problème des femmes, du dit problème des femmes. D'accord? Et il faut s'interroger aussi sur un mouvement qui a fait beaucoup bouger le monde, le MeToo, ou bien Balance ton port, qui n'a pas eu d'écho à la Martinique, alors qu'à tous les coins de rue, nous avons des problématiques de ce type-là à traiter. Absolument. Donc ça, c'est une autre forme de domination dont on ne parle pas, parce que le silence en lui-même, le silence à lui tout seul, trahit le fait qu'il se passe dans cette société, qu'il y a des rapports de pouvoir et de domination qui ne sont pas encore véritablement rationalisés, dont les gens ne parlent pas parce que le monde du travail est très imbriqué, très étroit, et que les uns dépendent des autres pour leur survie. Et tant qu'on n'aura pas vraiment analysé comment les uns tiennent les autres, on ne comprendra pas pourquoi MeToo n'a pas pris racine, enfin ne s'est pas plus, n'a pas donné, libéré davantage la parole. Donc il y a énormément de choses dans ce monde de la femme, et autour de, par exemple, ça aurait été intéressant qu'on compare pourquoi il n'y a pas eu de MeToo à la Martinique, alors qu'aux États-Unis, en France même, on en a entendu un petit peu parler, quoique la société française est un petit peu, nous sommes un peu à son image. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est que ceux qui vous financent, c'est difficile de les dénoncer. Donc les mouvements féministes sont financés aussi par l'État, par les structures en place. Donc c'est probablement que je sais que ça ne fera pas. On reste encore dans la problématique de la survie. Exactement. Et ça fera pas plaisir qu'on le dise, mais il faudrait qu'on œuvre, qu'on développe des formes d'activisme ou d'action qui nous rendent plus autonomes. Et parce que tant que nous dépendons de ceux que nous dénonçons, c'est clair que c'est difficile. En tout cas, la situation de la femme à la Martinique, elle est très spécifique, et elle est complexe, la domination. La domination se décline sous des multiples formes qui ne sont pas encore analysées. Je le dis parce que je le sais, et que même si je ne suis pas interrogée sur la situation des femmes en général, en tant que sociologue, j'ai beaucoup travaillé le sujet, et je peux vous dire que nous avons la petite partie émergée de l'iceberg que nous traitons, mais que la grosse masse, elle est cachée sous l'eau, et qu'il faudra qu'un jour, pour que nous soyons dans la rigueur sociologique à laquelle nous aspirons, socio-anthropologique, politique, etc., et bien que nous parlions des vrais problèmes de notre société, voyez. Alors, donc, nous avons aujourd'hui le projet de continuer un peu les débats que nous avons vus. Didier, vous avez vu l'émission? Oui, absolument. Je m'en suis imprégné, bien sûr. Vous avez été interpellé par quelque chose de particulier? Oh, partout. Partout. Mais j'ai mon mot à dire, et j'attends, entre guillemets, mon intervention pour être, être dans le dur. Voilà. Donc, ce que j'avais dit, c'est que ce que nous voulions faire, c'était faire émerger notre réalité dans un cadre scientifique maîtrisé, rigoureux et non idéologisé, puisque le fait que... on évoque la réalité de certains groupes à la Martinique qui ne sont pas forcément les groupes fondateurs, et que l'un de ceux qui est le groupe fondateur est laissé pour compte de des livres d'histoire, des thématiques débattues, que personne dans les chercheurs n'ont vraiment fait l'effort de se connecter au continent africain pour comprendre l'origine des populations et culturellement ce qu'ils faisaient. Il y a un problème, et nous essayons, nous, d'apporter des éléments de connaissance, parce que, faute de connaissance, les nôtres s'identifient par défaut. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont des types physiques africains et qui vous disent qu'ils sont amérindiens, ou qu'ils sont blancs, parce que le grand-grand-grand-papa était blanc. Enfin, on est quand même dans des logiques très illogiques et qui nous font un peu honte. Parce que pour que nous en soyons à ce stade d'immaturité et de honte d'affirmation de ce qu'on est, ce que la nature
affirme, montre de nous, affirme de nous, c'est que nous avons un grave problème. Et ce problème est entretenu par nos démagogues qui demandent aux gens de se définir ou qui leur disent qu'ils sont ceci, qu'ils sont amérindiens, qu'ils sont cela et qui trichent tout le temps. Non, un peuple qui se respecte doit avoir une histoire respectable. Et ça signifie que, puisque on est en train de zanzoler, de jouer, de... Alors je vois par exemple, il y a un truc qui est passé ou qui passera, que les remèdes rasiers voilà, sont un héritage kalinago. Je veux dire que des personnes chez nous affirment, fassent des conférences et induisent toute voilà. la population en erreur sur ce fait-là, je trouve que c'est une posture qui frise le racisme. Et je le dis délibérément, je prends mes responsabilités. Vous ne pouvez pas, sans avoir fait de, dans un pays à composante plurale, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'origines, mais je vous ai parlé des deux groupes centraux dont il faut qu'on tienne compte des réalités culturelles, et je vous ai dit dans des rôles très différents, institutionnels, ce sont les Blancs, et tout ce qui est de la culture qui nous fait vivre au quotidien, ce sont les Africains. Et bien qu'on dise aujourd'hui, sans avoir jeté un seul regard sur l'Afrique, sans avoir essayé de comprendre que les remèdes rasiers dont on parle, l'Afrique les pratique depuis des multimillénaires, qu'on n'a pas fait d'études comparatives, qu'on n'a pas confronté ces savoirs à ceux des autres groupes, eh bien, pour moi, on est dans quelque chose d'absolument... qui interroge nécessairement. Quand je vous dis que ces postures, à mon avis, sont racistes. Je ne comprends pas l'intérêt qu'a quelqu'un qui travaille sur la pharmacopée. Je ne comprends pas pourquoi on prend ça tellement personnellement qu'on décide que ce sont les Kalinago parce qu'on ne veut pas savoir que les Africains. Okay. Mais ce sont deux peuples qui vivent sur les mêmes latitudes. Ce sont des peuples qui ont les mêmes herbes, les mêmes trucs. À la limite, il faut montrer, comme je le fais, et j'essaye de le faire dans mes travaux, montrer la part africaine et la part... Non, au contraire, on ratiboise et on dit que ça, c'est... Donc, il y a quelque chose qui crée un grand malaise pour les gens qui sont dans la recherche et qui comprennent que c'est sur la base et le principe de recherche comparative qu'on peut déduire dans un milieu plural, multiracial, multiethnique, multiculturel, qu'on décide de qui sont les apports, sauf si on peut déterminer d'un seul trait, d'un seul coup d'œil, que ça c'est un apport qui est de toute évidence, comme si on dirait le couscous c'est arabe. Et encore, toutes les recherches qu'on fait aujourd'hui montrent que le couscous n'est pas arabe, mais sénégalais ou malien ou de l'Afrique de l'Ouest, vous comprenez? Donc on n'a jamais fini d'étudier, d'écrire, et comment on peut se permettre d'exclure comme ça tout un peuple? Donc à la limite, moi je suis prête qu'on dise... Les deux ont apporté quelque chose, mais on ne peut pas dire que les remèdes rasiers, comme je l'ai vu écrit sur cette affiche, sont un héritage kalinago. Voilà. Et je veux qu'on m'explique quel genre de contact les Africains qui sont arrivés ici ont eu avec les kalinago et qui parlent de ce transfert de culture, parce que vous savez bien qu'en socio-anthropologie, nous tenons compte de la façon dont les contacts se sont établis entre les peuples. Et pas seulement la façon, mais le temps que les peuples s'observent, se copient les uns les autres et se transmettent ou bien apprennent des autres. On parlait tout à l'heure du Matutu, je vais vous en parler. On se demandait depuis quand on a commencé à mettre du curry dans le Matutu, au point que des gens aujourd'hui croient que le Matutu est un plat indien. Non, le Matutu c'est un plat africain. Et j'ai montré, donc dans un petit ouvrage que j'aimerais que vous regardiez avec vos enfants pour la période des Pâques. Ça, c'est un petit ouvrage anthropologique. Johan, chasseur de crabes, dans toutes les librairies, vous irez les demander. Johan, chasseur de crabes, vous explique que le matutu n'est pas le mot qui convient à ce plat, mais que c'est un mot fongbe qui a été interprété par nos sachants, et qui l'ont appelé matutu. Mais en fongbe, dans une langue africaine du Bénin, d'où vient une grande partie de notre population, le mot approprié, c'est Atutu,
et ou bien ATT, ça dépend de la façon dont on ouvrait la voyelle, ou c'est d'un degré d'aperture, d'ouverture ou de fermeture de la voyelle, et c'est le E ou le U ou le OU qui a été donc transformé. On l'a appris quand on a fait un peu de linguistique en langue, on l'a appris. Donc on sait aujourd'hui Atoutou est devenu Matoutou. Mais Matoutou, puisqu'on dit que tout nous vient des Caraïbes, Matoutou chez les Caraïbes, c'est un petit tabouret. Donc ça ne peut pas nous parler du plat, du repas traditionnel que nous avons, nous consommons à Pâques et à Pentecôte. Donc si on veut être logique, malgré toutes les haines ou les refus de l'Afrique qu'on peut avoir, Atoutou, Mamaïla, Atoutou. C'est ça qui a créé Matoutou. Et c'est ça, les Guadeloupéens, qui a créé Matété. Et c'était Atété, enfant oubé. Donc voilà, dans ce petit ouvrage, je l'explique, Atoutou, c'est le plat que vous mangerez bientôt à Pâques et à Pentecôte. Et c'est un plat, que vous le vouliez ou non, qui vous vient d'Afrique. Donc il faut comparer, faire des comparaisons. C'est pour ça que je demande que quand nous avons un trait de culture sur lequel nous travaillons, il faut que nous cherchions les différents apports. Je l'ai fait sur l'entraide. J'ai montré que le jardin qu'on appelle créole n'était pas amérindien, qu'il était africain. Mais je n'ai pas rejeté le jardin amérindien. J'ai montré en quoi il est spécifique, comme le jardin des Blancs. J'ai montré en quoi il est spécifique. Donc j'ai procédé à des comparaisons pour tirer mes conclusions. Comme j'ai travaillé sur le trempage, sur nos habitudes alimentaires, je travaille en regardant les différents apports et en déduisant. C'est comme ça qu'un chercheur, qu'on procède dans la recherche. Donc, avant de venir affirmer blogodo que c'est pas si, c'est pas ça, il faut qu'on ait la modestie de reconnaître, en plus dans un pays dit multi-machin, culturel peut-être, je ne sais pas, hein, parce que la culture qui s'impose à nous, elle est blip, c'est franco-français, et son modus c'est aliénation, assimilation à 100 à l'heure, donc on est dans ça. Justement, enfin, si on revient au compte, effectivement, on se rend bien compte que nous avons nos héritages sont africains. Oui. La question que je voulais vous poser, c'était ça. Est-ce que, parce qu'on voit quand il y a un apport de peuples étrangers dans une culture, est-ce qu'on trouve des traits de culture kalinago dans les contes? Pas du tout. Eh bien voilà. Pas du tout. Les contes sont essentiels. Enfin, les traits de culture que l'on retrouve dans les contes sont les deux groupes dominants, c'est-à-dire les Africains et les Européens. Et dans des rôles très différents. Exactement. De victimes et de bourreaux. Et exactement. Dans par exemple, si on prend un conte, par exemple, où on parle du roi. Mm-hmm. On a l'image du roi, on fait des princesses, etc. Et on est dans une relation avec des Africains. Et le conteur va justement mettre le roi dans une position dans laquelle qui fait envie. C'est-à-dire que l'Africain a envie de se marier avec la fille du roi. Donc il est toujours dans une quête. Et cette quête, c'est une quête de reconnaissance, d'élévation dans la société. Ce qui veut donc dire que on voit bien les personnages, ils restent dans leur rôle. Et bien sûr, le conte étant dit par des Africains, étant pensé par l'Africain, automatiquement, il va utiliser des stratégies, ce qu'on a déjà dit, des stratégies pour pouvoir atteindre son objectif. Et son objectif, par exemple, dans la conquête, par exemple, de la princesse, de la fille du roi, pour épouser la fille du roi, il va utiliser des méthodes. Des méthodes qui ont fait leur preuve et dont on parlait justement la dernière fois, qui sont des méthodes qui restent dans le domaine de la mentalité de l'époque, mentalité coloniale, c'est-à-dire il faut utiliser la ruse, il faut utiliser des stratégies de débrouillardise, il faut utiliser des stratégies prédatrices pour pouvoir arriver à ses fins. À conquérir le mensonge, etc. Tout ce qui est utilisé pour justement accéder, à réaliser son,
Parce qu'on peut dire qu'on est dans une, le conte, c'est un petit peu le domaine du rêve, du mythe, etc., de l'imaginaire. Donc, automatiquement, on veut réussir. On veut toujours réussir. Donc, on utilise des méthodes. Mais on sait bien que ces méthodes-là, ce sont des méthodes qui ont été... qui se sont... qu'on a observées sur la plantation. Qu'on a observées sur la plantation et qui sont des méthodes qui sont valorisées. Et non seulement elles sont valorisées, mais elles sont opérantes. C'est-à-dire qu'on réussit. Quand on utilise ces méthodes, on réussit. Donc, automatiquement, ça devient, pour l'esclavisé, la méthode à adopter pouvoir s'en sortir. Ce qui veut donc dire que... Pour parler des femmes, parler des femmes, beaucoup d'hommes, effectivement, ont développé ces stratégies de mensonges. Oui. Pour arriver à les conquérir. Et elles ont découvert après coup qu'il était marié ou qu'il avait triché. Mais ces méthodes-là ne sont pas des méthodes africaines. Ce ne sont pas des méthodes africaines. Voilà, ce sont deux mondes Absolument. Qui sont différents, mais il y a un basculement progressif du monde de l'Afrique vers ce monde-là, parce que c'est lui qui domine. Donc, automatiquement, c'est lui qui est le monde de référence. Absolument. Donc, automatiquement, si on vous dit qu'il faut battre cette personne-là pour réussir, vous allez la battre. Et puis, c'est tout. La battre et la battre. Ce qui veut donc dire que nous avons adopté des principes, des goûts qui ne sont pas de chez nous. Et bien entendu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans le déni. Parce que nous voyons, et souvent on entend les gens dire, ah oui, nous avons perdu nos valeurs, je dis ça assez souvent, mais les gens ne disent pas de quelle valeur il s'agit. Ça. Parce que de quelle valeur? Est-ce que ce sont les valeurs de la société esclavagiste? Est-ce que ce sont les valeurs de la société coloniale que nous avons perdues? De l'Église. Est-ce que ce sont les valeurs de l'Église? Bien sûr. Alors qu'on sait le sens prédateur de l'Église? De quelles valeurs parle-t-on? Et personne ne veut dire de quelles valeurs il s'agit. Effectivement, ce sont les valeurs de la société, des sociétés africaines, les valeurs de la vision du monde de l'Afrique. Effectivement, comme on l'a vu, du partage, du rapport à la femme, de l'entraide, etc., qui sont totalement différents. Et si bien que c'est cette forme de déni, c'est-à-dire que les gens sont persuadés que c'est l'Occident qui a apporté des références et des référents. Et on sait très bien que les référents et les références de la société occidentale, ce sont des référents de prédation. Donc, on ne peut pas faire de notre société prédatrice la société de la beauté, de la bonté universelle et qui fait que après les gens tombent des nues et tout vous disent c'est parce que je crois en la justice, je veux de la justice, etc. Et comme je discutais avec Dominique, effectivement, comment tu peux exiger à une justice qui est fondamentalement hors des circuits de la justice, c'est-à-dire une fondamentalement injuste, d'être juste avec toi, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas compris justement qu'on est dans un système et que ce système-là, il faut le remettre en question. Et la place qu'on occupe. Puisque la justice, elle est faite par le groupe dominant. Et le statut qui est le nôtre, c'est celui du groupe dominé. Et il n'est pas question, il n'a jamais été question, il ne sera pas question tant que le système soit celui-là, que nous soyons à égalité avec le dominant. Donc il faut que cette logique-là apparaisse très clairement. Voilà, qu'elle s'imprègne dans nos mentalités. Réclamer justice à ton prédateur, c'est comme si tu disais au lion de ne pas te manger. Oui. C'est tout. Alors, sur la question, donc, on ne trouve pas de traces. On ne trouve pas de traces d'amérindianité dans le conte. Il me semble que j'avais lu aussi un monsieur Rolouza qui disait ça. Absolument. Donc, ça, c'est important. Quand on parle d'une culture, de sa configuration, des éléments d'influence extérieure qui sont venus s'ajouter, l'épaissir ou etc., l'enrichir comme on veut, on doit trouver des traces. Si il y a eu contact de civilisation entre ces différents groupes, on doit trouver des manifestations de ça, surtout dans la tradition orale et dans l'imaginaire. Absolument. Or,
Or, la question des remèdes rasiers qu'on attribue uniquement aux Kalinago, avec lesquels les Africains, il y en a eu quelques-uns au début, mais ont eu très peu de rapports. Et en plus, ils ont disparu et les Africains mouraient, on l'a rappelé. On l'a vu. La durée de vie d'un Africain, c'était entre 5 et 7 ans. Donc, imaginons qu'il y ait eu des contacts entre les premiers Africains et quelques Kalinago survivants. Eh bien, ces gens-là sont morts. À quel moment ils ont transmis éventuellement? Donc, toute cette stratégie explicative, etc., pour ne pas reconnaître que les Africains, et quand vous regardez, vous suivez de près ce qui se passe sur le continent, la somme de remèdes rasiers, de connaissances, de savoir qu'ont les Africains sur tout le continent, c'est faramineux. Et c'est d'autant plus incroyable que nos gens travaillent sur les Kalinago qui sont morts, qu'on a exterminés, et ils veulent absolument nous convaincre que ce sont les Kalinago qui nous ont donné la culture que nous pratiquons. Absolument. Donc moi je dis, nous on est même dans la culture du manioc, hein. Absolument. Comme non, mais je l'ai expliqué dans la culture de l'entraide. C'est un livre qui vous parle des habitudes alimentaires. Des habitudes alimentaires. Des Africains, ce sont des Amérindiens. Mais je veux dire, à ce moment-là, ce que les Africains font là sur le continent, ils sont venus chez les Kalinago. Mais c'est les mêmes choses. Il y a énormément de pratiques herboristerie, de naturopathie, de tout ce que vous voulez. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on a perdu, tous les massages et tout ça, que les Africains pratiquaient. Donc, nous, on essaye de vous dire, non pas qu'il faut rejeter, mettre de côté. J'ai toujours dit que les Amérindiens ont sans doute beaucoup servi aux Blancs, qui n'étaient pas d'un pays tropical, qui ne connaissaient pas les aliments, qui ne connaissaient pas les méthodes d'adaptation en milieu tropical. Et les Blancs les ont bien utilisés avant de les exterminer. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont survécu ici. Je veux bien qu'on me dise que les Blancs ont apporté la culture des Kalinago aux Africains. Maintenant, je vous dis, dans les cuisines des Blancs, c'était des négresses qu'il y avait là, des Africaines. Et le goût des Blancs de notre pays, le goût des bétiers, c'est un goût africain. Et je peux vous le dire, le décliner de mille façons différentes. C'est un goût africain, parce que c'est l'Afrique qui était dans la cuisine de ces messieurs, qui faisait les plats, même le goût du lait de tété de nos femmes coule dans ses veines. Donc non, on rigole pas avec ça. On essaie. Si c'est une guerre que les gens veulent, ben il faut la faire avec des arguments en béton. Mais il y en a des tonnes. Alors maman elle a pas pâti à ce sujet. Alors je veux juste apporter un petit élément par rapport. J'ai travaillé l'étude des comptes. J'ai fait une étude comparée entre la République dominicaine et la Martinique. Oui, et la République dominicaine, on sait très bien. Enfin donc c'est la première colonie occidentale du Nouveau Monde, du dit Nouveau Monde. Et donc dans les comptes de la République dominicaine, pas de traces d'amérindianité. Voilà. On aurait pu croire que c'est là qu'on devait en trouver. On aurait pu en trouver. Puisque les contacts étaient beaucoup plus importants. Voilà. Et c'est pas le cas. Et en plus de ça, la deuxième question qui se pose aujourd'hui, cette recherche ou cette revalorisation d'un indigénisme. Ça s'est produit en République dominicaine depuis justement la révolution haïtienne. Et effectivement, on a voulu tellement éliminer toute l'africanité en République dominicaine qu'on a décidé qu'on était tous des Indiens en République dominicaine. Oui. Et les gens les plus noirs, comme moi, étaient devenus des Indiens, des indios. Chez nous, voilà. Ils disent pas qu'ils sont indios. Et puis ils se disent, alors il y avait Indio Oscuro, donc c'était des gens de Montaigne. Indio Lavado, c'était lavé de Tontaigne, etc. Donc tout le monde était devenu Indien. Ah, maman l'a mis, m'en lavé, mi bab. C'est pour te dire que l'indigénisme, ce courant que nous en sommes en train de vivre aujourd'hui en Martinique, depuis disons une dizaine d'années à peu près, ce courant indigéniste et indianiste, on peut aussi appeler, est revenu et quelque chose qui est très vivant dans l'esprit colonial, parce que justement, il est question de rejeter l'Afrique de tout ce qui existe dans la Caraïbe. Mmh. Et nous sommes en train d'emboîter le pas à cette idéologie, alors que tout nous démontre que nous sommes dans un pays où les mœurs et les goûts
les pratiques que nous avons culturelles, ce sont des pratiques africaines. Mais il me semble que ça, c'est une démarche d'une classe qu'on appelle mulâtre. Absolument. Qui ne revendiquait pas forcément à corps et à cri comme avant sa paternité avec les Blancs, enfin les liens de paternité avec les Blancs, et qui se sont transposés dans la catégorie des Amérindiens. Ça se dit, il y a quelques personnes qui ont des racines. Absolument. Mais comme je le dis, on ne fait pas d'un événement mineur, individuel, voilà, etc., un événement collectif. L'impact d'un groupe qui est numériquement important, qui pratique les mêmes traits culturels, et pour ça, on va répondre donc au Djeli, est beaucoup, 100 fois plus marqué dans le paysage et dans les transports, dans les transmissions, qu'un individu qui est venu avec un savoir, etc. Donc, quand nous avons des gens qui jouent aux apprentis sociologues, historiens, etc., Mama est là, il y a des cours pour ça. Eh bien, si nous voulons rester, avoir une parole officielle et documentée là-dessus, formons-nous. Il y a maintenant des possibilités de comprendre comment fonctionne une approche anthropologique d'un groupe, les contacts culturels, les diffusions. Vous Absolument. Avez des groupes... En anthropologie, anthroposociologie, vous avez des personnes qui ont vécu dans des pays en groupe fermé et qui n'ont jamais influencé la culture du pays. Absolument. Et je peux vous en donner, puisque c'est ça qui m'intéressait. Et donc, c'était comment on se diffusait le contact, par le contact, comment se diffusait ou ne se diffusait pas les traits culturels. Donc, tout ça, anthropologiquement, sociologiquement, on peut le démontrer. Alors, dans les critiques qui vous ont été faites, il y avait cette histoire qu'il fallait un djeli. Mais est-ce que ce n'est pas un mot parmi d'autres? Oui, c'est un mot parmi d'autres. C'est comme si bon, c'est le djeli, celui-là l'appelle le griot, l'autre l'appelle... Voilà. Ici, on l'appelle le majolais. Ouais. Donc, dans chaque petite Afrique, mm-hmm. on décline bien le sûr. Personnage Mais avec le un rôle particulier. Bien Mais le personnage lui-même, le conteur, mm-hmm. alors appelez le djeli, le griot, le majolais en mm-hmm. Martinique, mm-hmm. eh bien, il a la même fonction. C'est ça. Il a le même rôle social et bien entendu... Et quand on parle de tradition orale, moi je n'aime pas utiliser ce mot-là, je préfère plutôt une tradition de communication. Mm-hmm. Parce que nous sommes dans des pays, en Afrique, dans un continent, où on est en permanence dans la communication. Et dans la communication, on est aussi dans la communion. Absolument. Parce que dans le mot communication, il y a aussi communion. Communauté, ça veut dire qu'il y a communauté, mm-hmm. et automatiquement les gens font groupe. Et les gens font corps les uns avec les autres. Et c'est pour ça que l'impact aussi important de ce qu'on appelle le griot, le djeli. J'ai eu une attaque me disant que est-ce qu'on est bambara, etc. Mais on est tous de tout ça. Hein? On est tous de ça. Oui. On est bambara, on est malinké, on est soninké, on est ewé, on est fon, on est. Les gens de chez nous qui ont fait une recherche ADN, le certifie. Hein. On a des Ewé, on a des Djolo, donc tous les peuples se sont retrouvés. De toutes les façons, les gens, quand ils allaient faire les razzias, ils entraient à l'intérieur de l'Afrique. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas seulement les gens des côtes. Hein. Il y avait une progression vers l'intérieur. Mm-hmm. Ce qui veut donc dire qu'on peut se décliner. Oui. On peut se décliner avec tous les termes mm-hmm. que l'on utilise. Pour pouvoir... En fait, c'est la fonction c'est la que vous fonction. Expliquez. Exactement. C'est la fonction, c'est la fonction sociale voilà. et le rôle que ce personnage a. Et c'est pour ça qu'il est essentiel dans la formation de notre imaginaire. Et c'est pour ça que l'usurpation qui a été faite, c'est-à-dire le conflit qui s'est introduit dans la vision... du monde, de ces deux partenaires, si on peut dire, en présence, fait que justement, le conteur ici, le majolais, c'est comme ça qu'on l'appelle en Martinique, le majolais a eu un rôle essentiel dans la transmission des valeurs coloniales et a éclipsé ces valeurs. Et ce n'est qu'à partir
de 1848, c'est-à-dire à l'abolition, qu'on a vu justement, et on peut très facilement dater les comptes par rapport à leur création. Mmh. Et ce qui veut donc dire que avec la 1848, on a vu naître justement cette civilisation, reprendre cette civilisation, reprendre ses marques. La civilisation africaine reprendre ses marques et réintroduire, et en plus avec l'apport des Congos qui sont arrivés, réintroduire justement toutes les valeurs africaines qui étaient restées en dormance, si on peut dire, et en souffrance dans le cadre de la plantation esclavagiste. Et on a vu réapparaître tout ce que nous avons vu, mais tout ce que tu vois dans l'entrée des compagnies. Mais le fait que les gens ont pu s'éloigner de la plantation, ce lieu de vraiment et de damnation pour eux, et puis se répand dans les mondes, où ils ont justement créé cette civilisation, recréé leur civilisation. C'est-à-dire ils ont recréé, ils n'étaient pas sous la surveillance humaine, et puis sous la contrainte d'un travail forcé. Donc ils ont revécu. Ils auraient pu vivre. S'ils n'étaient pas sous la ça veut dire que c'est une mémoire vive qui s'est prolongée dans la façon d'occuper les sols, de pratiquer l'entraide, etc. Si bien que quand on cherche effectivement les vraies survivances ou sauvegardes de la culture africaine chez nous, c'est dans ces endroits-là. Parce que ils se sont éloignés de la plantation et qu'ils ont pu vivre à l'africaine. Donc dans la culture de l'entraide, c'est un peu ça que je raconte. Et c'est vrai que c'est fondamental de comprendre que après l'abolition de l'esclavage, nous avons remis la main sur notre identité, notre identité africaine, et nous avons travaillé à déconstruire tout ce que nous avions appris dans la plantation, réappris à fonctionner comme des Africains en groupe, et l'entraide est redevenue, parce que sur la plantation, c'est la construction de l'individualisme absolu, le plus de l'opportunisme, de l'arrivisme, de l'individualisme, et même au niveau des proverbes. Même dans les années 70, les Martiniquais avaient une sainte horreur du compère-lapin. On traitait aux gens des sacrés compère-lapin, etc. Les gens avaient une sainte horreur. Mais Negmaron aussi. Ça, c'est encore dans une autre façade. Et c'est effectivement dans le cadre de l'assimilation. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de l'assimilation, on a une reconquête, si on peut dire, de la créolité. Un nouvel assaut qui a pris d'autres formes. Exactement. Alors voilà, vous aurez, chers amis, vous aurez à voir ce travail de thèse qui sera publié, et donc vous aurez des éléments concrets pour parler aussi de cette histoire-là, parce que le conte, c'est l'imaginaire d'un peuple, et il dit beaucoup de ce que nous sommes ou comment nous sommes devenus, etc. Donc, vous retenez de ce que nous vous disons là, que nous ne sommes pas en train d'exclure les autres, mais que nous sommes en train de réinclure l'Afrique dans l'histoire de la Martinique. Ce que les autres ne font pas, y compris dans chez les universitaires, c'est tous ceux qui ont des thèmes de recherche. Nous demandons à ces gens de se tourner, même sans trop faire d'efforts, de jeter un petit coup de zier sur l'Afrique pour qu'ils réalisent combien les choses sont à fleur de peau, et qu'on peut les cueillir vraiment au lieu d'aller raconter, nous inventer. Ça s'appelle l'invention du réel, une invention d'une nouvelle société par des gens qui refusent l'existence et qui vont vous créer donc une société totalement artificielle. Bon, on va demander donc à Maître Monotuka s'il veut nous dire deux choses là-dessus. On était dans l'idée que, voilà, on continue à informer les gens. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un message disant que c'est la première fois, avec l'émission de la dernière fois, qu'elle comprenait le lien que vous faisiez entre le fait qu'on est des affranchis et qu'on est traités comme des sous-humains. Donc, c'était peut-être, il y a des explications plus larges à donner. Oui. Je vais rebondir en fait sur ce que vous avez pu échanger là à l'instant. Alors,
J'ai rappelé à la dernière émission l'existence claire et nette de la culture, en fait, du colon. Mmh. Bon. Et j'ai rappelé aussi que cette culture avait été instituée, c'est-à-dire avait pris la forme, en fait, de l'autorité de conduite officielle avec un système de sanctions si, je dirais, tous ceux qui faisaient partie, qui étaient intégrés dans cette société, si l'un ou l'autre, en fait, hein, habitant de cette société, ne respectait pas, en fait, les règles, en fait, de cette société. Nous avons vu aussi qu'en fait, que cette culture instituée, qui est la culture du colon, et que le colon a désigné comme étant la culture créole, nous avons vu que cette culture qui s'est traduite en société est une culture qui exclut l'identité humaine. Hein, on enlève l'identité humaine et ce sont des identités fictives, maître, esclave, affranchi, qui vont... Qui l'invention vont... d'un nouveau réel, en fait. Oui, mais tout à fait. Nous sommes dans la fiction, le monde de la fiction. D'accord. Voilà. Et donc, et c'est ce qui va être institué, donc qui va obliger, par la violence et la manipulation, tous ceux qui sont intégrés dans cette société, qui va les obliger, en fait, à se socialiser selon et dans le respect de ces règles. Bon. Ça, c'est une chose. Et nous avons vu aussi que c'est précisément cette culture du colon qui va être combattue par les Africains et leurs descendants de génération en génération, parce que cette culture est une culture, en fait, qui refuse, en fait, de reconnaître, en fait, l'identité humaine, qui est une culture, en fait, qui, à tout prix, veille, en fait, et souhaite maintenir un ordre fondé sous la hiérarchisation des êtres, donc, par conséquent, l'exclusion de l'identité humaine. Et nous avons vu aussi que là, en face, il y a justement ces hommes et ces femmes arrachés de leur matrice où ils étaient institués comme étant des êtres humains, qui se retrouvent, en fait, devoir, je le disais, à se socialiser dans cet ordre, en fait, qui les a, en fait, érigés en identité fictive, et qui vont se confronter et refuser cet ordre. Et nous avons vu que ces gens, que ces hommes et ces femmes arrachés d'Afrique et leurs descendants vont défendre une autre culture. Mmh. Hein, c'est la culture, en fait, qui reconnaît, en fait, la qualité d'être humain des êtres humains. Mmh. D'accord. Et ils se sont battus de manière systématique. Les archives le démontrent de manière très claire. Et ce que ces hommes et ces femmes ont toujours voulu et ont pu obtenir, c'est la condamnation de cette culture dite créole, cette culture du colon, comme étant une culture, en fait, constituant un crime contre l'humanité. Mmh. Et c'est ce que, par exemple, en France, en 2001, qui a été reconnu. Et donc, c'est ça, la culture créole. Mmh. Et maintenant, en face, nous avons cette autre culture, je disais, la culture des afro-descendants. Cette culture, elle est là. Elle n'est pas perdue. Pas perdue. D'accord. Alors, lorsque on parle de la culture martiniquaise, hein, voilà, personne, en fait, ne conçoit que la Martinique, que les Martiniquais n'ont pas une culture propre. On en parle tout le temps. Bon, très bien. Cultez-nous, cultez-nous. Voilà. Donc, la chose est là. Hein, la chose peut être appréhendue comme un objet de oui, connaissance. Mais à distance, voilà, etc. Ouais. Et cette culture martiniquaise, elle est, il faut qu'on soit clair là-dessus aussi, c'est une implication, elle est irréductible à la culture créole, c'est-à-dire à la culture, en fait, du colon. Mm-hmm. La culture, je parle, en fait, de la culture des afro-descendants telle que nous l'avons défini tout à l'heure. Oui, oui, oui. Donc, lorsque je parle de la culture martiniquaise, je fais référence précisément à la culture des afro-descendants, cette culture, en fait,
qui est structurée, bien entendu. Hein, c'est une culture qui s'affirme, en fait, comme une structure sociale. Hein, et cette société-là, hein, dans laquelle on se socialise et que l'on préserve, que l'on pérennise, elle existe. Mmh. Et cette société, c'est celle, en fait, qui m'intéresse, parce que c'est celle, en fait, qui nous a été léguée par nos ancêtres. C'est celle, en fait, que nos ancêtres ont élaboré, ont préservé depuis, en fait, leur matrice originelle, la matrice d'Afrique, où ils étaient reconnus comme étant des êtres humains. Ils ont préservé cette conscience d'être humain qu'ils sont, et ils se sont battus. Et ce faisant, de génération en génération, ils nous ont, en fait, transmis cette socialité-là et cette volonté-là, qui explique, en fait, aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, nous étions dans les rues le 27 février dernier pour demander le respect de notre humanité. En quoi faisant, en quoi exigeant la justice. Et la justice consiste en quoi? Consiste à reconnaître, en fait, les bourreaux qui nous ont empoisonnés et à réparer les victimes. D'accord? Donc, on voit bien qu'en fait, que la correspondance entre le respect de notre humanité et la justice, elle est là. L'une va avec l'autre. La justice que l'on demande, c'est la reconnaissance et le respect de notre humanité. Et là, nous sommes, en fait, dans cette socialité propre, dans ce que j'appelle la société martiniquaise, c'est-à-dire qui renvoie à la société léguée, préservée, vécue et transmise par nos ancêtres et aussi par nous-mêmes qui sommes ici, la génération vivante. Et donc, c'est ça. Et là, nous sommes, en fait, au-delà de savoir comment nous faisons le carnaval, par exemple. Quels sont les éléments du carnaval de manière ethnologique, etc., etc. Influence, en fait, d'une couleur, d'un personnage, etc., etc. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de saisir, en fait, la structure sociale, notre structure sociale qui propre. Opère, voilà. Et, qui opère. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la société martiniquaise existe, et qui fait qu'aujourd'hui, cette société-là, elle est connue et reconnue, elle se perpétue, et elle nous livre, en fait, par conséquent, un système de valeurs, mais surtout une structure qui correspond à des règles. La société martiniquaise a ses règles propres. D'accord. Et puis, il y a la société française qui a ses propres règles. Donc, permets-moi de dire. C'est très important, puisque c'est la première fois qu'on voit que notre peuple, enfin, pas la première fois, mais là, on l'a vu dans une période difficile, que les gens ont pris le contre-pied des injonctions officielles, et ils sont sortis faire le carnaval. Et on a vraiment le sentiment que c'est une chose qui est tellement ancrée en eux qu'il y a eu, à un moment donné, une lutte entre deux visions du monde, deux institutions. Et que la culture martiniquaise, celle dans laquelle s'est réfugié le plus de nos traits africains, elle a décidé que exactement. Non, elle ne se soumettait pas. Alors, il y a des gens qui ont parlé de masques et maladies, mais sociologiquement, c'est très important. Voilà. Et c'est puissant. Dans ce que tu expliques là, c'est ça. C'est déterminant, en fait. Voilà. Et là, à partir de là, eh bien, il convient, après avoir déterminé l'existence, en fait, de cette culture-là, la nôtre, de l'étudier, de la connaître et d'assurer de manière maîtrisée sa transmission. Parce que c'est elle, en fait, qui garantit
et qui a garanti jusqu'à présent notre éveil, notre conscience, notre identité humaine, en tant qu'être en fait. Voilà. Exact. Donc ça c'est déterminant. À partir de là, je pose cette question. Puisque nous avons vu qu'il y a deux sociétés, la société martiniquaise qui est nommée, qui est reconnue, voilà, et puis il y a la société du colon. Rappelez-vous comment la naissance, il y a la société en fait de ceux qui disent non à cet ordre de la hiérarchisation des êtres, et puis il y a la société de ceux qui disent oui à la hiérarchisation des êtres. Voilà ces deux sociétés dont tu parlais, Juliette, là, de la confrontation. Conflit, voilà, la confrontation. Bon. Je pose la question. Est-ce que cette société-là, de l'ordre de la hiérarchisation des êtres, existe-t-elle toujours? C'est-à-dire qu'en fait, s'est-elle muée en une société fondée sous le respect de la nature humaine? C'est-à-dire en fait, a-t-elle disparu en tant que société? Non. Non, elle ne peut pas muter puisqu'elle est radicalement différente de la société défendue par les Afro-descendants. Elle s'impose maintenant par la force, donc, de manière parce qu'elle bloque, elle bloque contre l'autre. C'est ça, c'est ça. Pour comprendre, en fait, parce qu'il faut bien comprendre la confrontation, ce qui s'est passé le 27 février, et puis et tout le reste, en fait. Pas seulement, le carnaval aussi a été un moment très révélateur. Exactement. Donc, il faut que l'on comprenne, en fait, que... Mais pourquoi ? Ça devrait être en harmonie. Mmh. Donc, s'il n'y a pas d'harmonie, c'est parce que ces deux sociétés se confondent et c'est parce que toutes les deux, en fait, continuent à exister. Mais quand j'ai toujours dit que notre société est bicéphale. Absolument. Et on nous parle de créole comme si on a fait une fusion. Mais la réalité anthropologique, si nos chercheurs se mettaient au travail sérieusement, ils ne nous auraient pas servi des macadam comme ça. Il y a aucune rigueur scientifique. Donc, c'est peut-être leur travail. Donc là, là, en l'occurrence, il faut comprendre en fait que, en réalité, et personnellement, j'ai eu à faire la démonstration dans le cadre en fait de ma thèse doctorat, mais aussi après, que la société de la hiérarchisation des êtres demeure instituée et que c'est elle en fait qui s'est appropriée la puissance de la légalité et de la puissance en fait de la sanction. Mais les aspects régaliens, elle les a maîtrisés. Exactement. Donc, c'est ça. Donc elle est là, elle existe. Elle est là. Absolument. Et nous en sommes suffisamment conscients. Il suffit de manière d'analyser notre histoire, je dirais, contemporaine. Prenons l'exemple du carnaval ou prenons l'exemple en fait du 27. Voilà deux exemples en fait, ou bien récent, de 2009 récent. Aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette conscience vivace de l'existence des deux sociétés. Et on retrouve la confrontation de ces deux sociétés. À partir de là, ça devient intéressant. Parce que nous avons à faire un choix. Exact. Quelle société on choisit? On veut vivre dans quelle société? Quelle est la société dans laquelle on veut vivre? Optimale. Oui, mais laquelle? Voilà. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et là, nous sommes dans la réflexion scientifique. Nous ne sommes pas dans la spéculation, nous ne sommes pas dans l'idéologie. D'accord? Les choses sont claires là-dessus. Et donc, à partir de là, vous comprenez qu'en fait, qu'une fois qu'on est, je dirais, rempli de cette prise de conscience, je dirais, le choix est vite fait. Pour certaines catégories, qui bénéficient? Moi je crois qu'il y a des catégories qui bénéficient système. Non, mais j'entends bien. Bénéficier du système, il faut réfléchir aussi à cette notion parce que... Voilà. Il y a quelque chose, en fait, bon, je vais vite là, pour revenir, en fait, je dirais, à cette vision systémique, mais il y a quelque chose, en fait, qui se cache derrière, en fait, ce prétendument qui profite de ce système. Et là, on pense aux Afro-descendants. Oui. C'est qu'en réalité...
Ah non, pas nécessairement. Non, principalement, pas nécessairement. Principalement, non, en termes de classe sociale. Qui... Là, il faudrait introduire Les classes sociales. Les classes sociales, c'est autre chose. Là, je parle en fait de modèles de hiérarchisation des aides où, en effet, il y a en fait des cas. Parce que rappelons, c'est quoi le système de hiérarchisation des aides? C'est un système qui est racialisé. Donc, par conséquent, qui donne des avantages à d'autres en fonction, etc. La parcimonie, en fait, Mais c'est ça, justement. Bah, c'est bien pour ça que j'en parle. Voilà. Donc, il faut bien, en fait, pour pouvoir bien saisir, en fait, je dirais, la dynamique de ces classes sociales, les caractériser comme étant des classes sociales racialisées et inscrites dans la dynamique, en fait, de la hiérarchie, de la société de la hiérarchie. Absolument. Et donc, pour revenir en fait aux deux matrices. Alors, maintenant. Deux minutes. Je voudrais au moins conclure dans un premier temps sur ce point. Revenons à notre matrice. Mm-hmm. Celle, en fait, je disais, on a un choix à faire. Bon. Alors, nous parlons. D'une, en fait, la société martiniquaise, la société des afro-descendantes, la société léguée par nos ancêtres à nous-mêmes, et qui se manifeste à travers, en fait, les différents temps, périodes que nous avons données comme exemple, en fait, le 27 février ou d'autres. Bon. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui nécessaire pour nous, pour qu'on soit, je dirais, aller au bout de notre cohérence. Dominique. Je termine juste. La lumière verte est allumée et Didier ne s'est pas encore exprimé. Lumière verte est là. Oui, parce qu'il est arrivé 13 ans. Il ne s'est pas exprimé. C'est déjà. La lumière. Une petite phrase. Ce que je veux dire, je termine là. La nécessité, évidemment, de se réapproprier ce modèle de société qui est la nôtre. Exactement. De l'étudier et d'assurer sa transmission maîtrisée. Ce que je dois dire aussi à ce stade, c'est que nos travaux sont très avancés à ce sujet et que nous avons les éléments qui nous permettent de l'appréhender de manière scientifique, de manière structurelle. Nous avons les éléments qui nous permettent de garantir en fait sa transmission et nous avons aussi les éléments pour créer une adhésion consciente, collective, ce qui, évidemment, est absolument nécessaire. Ok. Didier, allez-y, J'ai combien de temps, Juliette? Pas beaucoup. Après la lumière verte. Bon. 10 minutes, un quart d'heure. Alors, j'aurais une approche dans la continuation de ce que vous avez évoqué, mais dans une rupture. Et c'est un message pour les jeunes générations qui sont là, qui se sont mobilisées. Et pour le 27 et pour le Colinval, il faut bien comprendre que tout ce qu'on vous évoque, s'agissant d'origine, Kalinago, quoi que ce soit, la procession la plus populaire auquel vous avez participé est ancrée en vous, c'est-à-dire que c'est une procession on ne peut plus africaine, le carnaval. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé le 27, ça s'est passé exactement comme prévu. Pourquoi? Parce que ça a été couvert, entre guillemets, par des gens qui ont des intérêts totalement diamétralement opposés aux vôtres. J'entends, je dénonce aucun syndicat, aucun politique ou aucune obédience de quelque nature, mais la réalité, c'est ça. Moi, si je suis ici, c'est pour vous dire que je ne suis pas venu théoriser nos approches. La réalité, et j'abonde dans le sens de mes prédécesseurs, c'est qu'il y a deux civilisations. Le temps n'est plus tellement à théoriser. Le temps est à prendre fait de cet acte-là et voir comment on fait. La société martiniquaise, aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'elle est. Il y a un versant prédateur et un versant grandement noir. Ce que vous avez assisté au carnaval, c'était la grandeur noire qui, malheureusement, a été pilotée et contrôlée, entre guillemets, pour que tout se passe comme prévu. Le temps est arrivé pour que rien ne se passe comme prévu, en tout cas comme ils ont prévu en face. La réalité, c'est qu'il faut laisser place à la vérité. La vérité est la société qu'on appelle de nos voeux, qui avait déjà été dessinée par les nouveaux libres. Quand je dis ça, ceux qui ont investi des mornes et pour qui le Bélé était l'âme du peuple, eh ben, il est temps que ça revive. Parce que là, on n'était pas sous le joug des prédateurs
Et il a fallu se réinventer. C'est-à-dire retrouver, quand je dis se réinventer, c'est se rechercher nous-mêmes au plus profond de nous, notre jardin, la façon dont on mange, la façon dont on se soigne, la façon dont on s'habille, la façon dont on crée des meubles, la façon dont on exprime toutes nos cultures. Et ça, c'est la matrice civilisatrice. C'est pour ça que j'ai aimé tout particulièrement ton ouvrage, Juliette, Culture d'entraide. Parce qu'on pose la base. Et la réalité, c'est qu'il faut refaire vivre cette civilisation-là. La réalité, c'est que notre jardin, nous avons une façon de cultiver. La façon de manger n'est pas la façon des Occidentaux. Vous savez, si j'ai une lecture aussi claire aujourd'hui, et qui peut-être fait peur, et qui n'est pas noiriste, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les leucodermes, pour ne pas dire les blancs, comprennent précisément ce que je dis. La réalité, c'est qu'on a un regard, il faut, je pars du principe que les blancs nous mentent depuis le début. Ouais. C'est ça. Et ce que je vous évoque là, j'ai cette vision-là depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et comme je dis toujours, dans notre petit pays qu'on chérit tant, j'ai eu peut-être tort d'avoir raison trop tôt. Mais la réalité, c'est que nous avons un jardin. Moi, j'ai déjà commencé à faire le tour, entre guillemets, de la Martinique. J'ai été l'initiateur, alors je suis, entre guillemets, le concepteur de la charte visuelle que vous voyez sur Zéro Poison. Je suis un militant depuis très longue date. Quand vous voyez Zéro Poison, c'est Didier Michelon qui a derrière tout, et puis bien sûr relayé par le formidable travail des sœurs qui ont pris, mais la charte éthique, c'est moi. Alors j'explique. Quand je dis Zéro Poison, c'est qu'on nous a empoisonné l'intellect. On nous a empoisonné la vie au quotidien. Et il est temps de se dépolluer. Exact. Voilà. La réalité, c'est que l'heure de la révolution est arrivée chez nous, aux Antilles, et que la révolution passe par trois phases. Ridicule, dangereux, évident. Alors je reprends des préceptes de Schopenhauer qui ont été peut-être relayés par Idrissa Berkane, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que le 27 février, nous aurions pu être dangereux. Mais nous avons été tournés en ridicule parce que menés. Voilà, pour que tout se passe comme prévu. Et quand nous étions face au tribunal, peut-être que nous étions 23, pour accompagner nos frères Lulu, Volcan et d'autres qui ont été molestés ce jour-là, nous étions dangereux. Pourquoi ? Parce que les yeux étaient ouverts sur ce que nous ne voulons plus. La jeunesse martiniquaise aujourd'hui, la jeunesse qui brandit le drapeau rouge vert noir, qui n'est aucunement Kalinago, et qui chante « Chez nous blindés », qui n'est aucunement Kalinago. Tout ça, c'est de la diversion. Pour vous éloigner de ce que vous êtes vraiment, vous êtes des Africains de la Caraïbe. Et il est temps de sublimer ça et dessiner les contours de notre civilisation. La réalité, c'est que vous êtes des consommateurs d'huile de coco. Elle n'est pas dans nos lip services. La réalité, c'est que demain, vous serez des adeptes de beurre de mango. Ce n'est pas dans les lip services. La réalité, c'est que vous aurez envie et que vos enfants aussi utilisent du vinaigre de fruits à pain, du ketchup de pomme. Alors, quelques-uns croient que je raconte ça comme ça, mais vous savez, j'ai eu la chance de grandir à la campagne avec mes cousins. Mais Didier, c'est ce que vous faites dans votre épicerie? Vous faites des vêtements? Alors, je vais dire très clairement, je ne suis plus dans une épicerie ou dans un supermarché. J'ai démissionné, il y a de cela quelques mois, parce qu'il était hors de question pour moi, en cohésion, que mes revenus principaux soient alimentés par des ventes de quelques boissons gazeuses, douteuses, qui auraient plutôt leur place dans un rayon de produits d'entretien. Vous savez très bien de quelle boisson je parle. Dites à nos téléspectateurs. La réalité, c'est qu'il est temps de prendre position. Vous me voyez aujourd'hui en tant que Didier Michelon, mais mon nom Camille, que je ne révélerai pas ici, mais par la suite, veut dire très clairement qu'il est temps de dire à un autre, au Camille, que le paradis, c'est ici et maintenant. Et qu'il est temps d'actionner. Je ne suis pas là pour théoriser. J'aurais pu faire une thèse, j'aurais pu faire un doctorat sur les villages, comment on doit vivre, sur la monnaie, comment on doit vivre. La réalité, c'est mais qu'il vous faut... vous avez créé une monnaie aussi. Oui, c'est une chose. Une monnaie locale. Oui. Vous créez des vêtements, vous créez tous les aliments dont vous nous avez parlé là. Mais j'ai vite compris, Juliette, que je peux faire la meilleure des monnaies. Oui. Mais très simplement. Mais il faut fédérer le réseau de conscience. C'est pour ça que je suis un travailleur de l'image, parce qu'on nous a dominés culturellement et on continue encore. Mais en face de vous, ne perdez pas ça de vue, gardez le cap. On nous ment, mais c'est tellement bien présenté. Mais on nous ment. Et vous êtes dans un réseau, Didier ?
Je suis dans plusieurs réseaux. Plusieurs réseaux. Mais je suis un électron. Mais si les gens veulent vous rencontrer. Moi, je me veux un être libre. Ben, ils peuvent me voir sur mon profil Facebook. Je ne sais pas si le moment est l'heure de donner mon téléphone. Oui, mais je ne me cache plus. Donnez-le. 06 96 309 324. Et vous êtes sur Facebook comme Didier Michalon? Je suis sur Michalon. Facebook comme Didier Michalon. Didier maintenant, Michalon. Je suis venu dire à aux jeunes qui sont là et qui attendent que ça bouge, qui n'ont pas peut-être les tenants et aboutissants, mais qui sont convaincus que cela suffit, de leur dire qu'il y a des gens qui pensent concrètement à la structuration de ce qu'il nous faut. Parce que réclamer et dénoncer auprès des chasseurs blancs, alors que nous sommes des lions et des gazelles, il est temps de converger notre énergie vers ce que nous voulons pour nous et nos enfants. Exact. Merci Didier. Alors, la lumière a clignoté, ça signifie que c'est fini. Milka, vous avez le mot de Timo? Oui, j'abonde totalement dans le sens de Didier, parce qu'effectivement, il faut commencer par passer à des choses concrètes. Et je crois que nous sommes, pour passer à des choses concrètes, il faut aussi que les gens comprennent. Voilà. Ça. Parce qu'il faut, on peut pas. Et puis il faut proposer des choses. Il faut proposer. Parce que l'argent local. Comme disait Marcus Garvey, organize. Et il faut structurer. Bon. Oui. Et moi, j'ai fait suffisamment le tour de Martinique pour vous dire que je peux raconter une autre histoire que le chasseur. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est bien, comme on est dans une démarche anthropologique, eh bien il faut, Dominique, on a clignoté, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête, mais elle va nous tirer les oreilles. Dominique, dites un petit mot. Le petit mot, en fait, c'est que, alors, je pense en fait que il faut qu'on fasse attention lorsqu'on parle de la pratique. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai compulsé les archives. Nous n'avons jamais été en dehors de la pratique. D'accord ? Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Absolument. Et donc, la deuxième chose, la théorie, c'est une... Je termine. Oui, non, mais tout à fait. La théorie, c'est de la pratique. Et puis, la troisième chose que je voudrais dire... Bon, merci, ouais, ça sera pour une prochaine fois. Alors. Merci de nous brutaliser, cher Manuela. On remercie quand même la technique. On remercie Zouk TV, Manuela, et puis Manuela Monlou, et puis M. Granier. Et je voulais juste vous dire qu'on n'appelle pas une société en lui demandant d'être gentille et résiliente. Il faut la connaître rigoureusement. Voilà, et il ne faut pas cacher l'histoire à ceux qui l'habitent et qui se sentent violentés par le fait que vous les faites disparaître des façons de fonctionner qui sont malhonnêtes au fond. Donc prenez cela en attendant. On continuera à vous parler de notre histoire, la vraie, et pour inclure tout le monde, sans rien, mais nous n'acceptons pas cette exclusion violente. Voilà, merci d'avoir été là et bonne soirée. Merci à vous tous les trois. Merci. Et puis à prochainement, merci. On recommencera si vous le demandez. Au revoir, à bientôt. Au revoir.